Salut YouTube, il est actuellement 7h-20 et je suis beaucoup trop chaud pour cette journée. Est-ce que tu t'apprêtes à voir? C'est un vlog nul parce que je n'ai pas de contenu et que j'ai fait un pari avec un pote. Pauvre, parce que là on est le samedi 13 mai et j'ai pas mal de choses à faire aujourd'hui sur Dijon, donc je te propose de venir avec moi. Voilà, ça va être quelque chose. Et voilà, donc j'espère que tu vas t'enjailler, que tu vas mettre en pouce et que tu vas aimer parce que les vlogs, j'aime pas vraiment ça, mais j'ai pas trop de... D'ailleurs, tu peux profiter de ces magnifiques cris d'oiseaux dès le matin. Alors, il est actuellement 9h30 et à peine je suis arrivé aux portes ouvertes que mon formateur principal me saute dessus et veut absolument que je fasse mon rapport de seconde année. C'est trop bien, mais là en fait je me dis qu'il va y avoir personne, mais si ça peut aider, la caméra n'est pas droite, si ça peut m'aider et que c'est cool, voilà. Mais quand même, la petite promotion, 9 CFI de Dijon, c'est super cool, vous tapez ça sur internet. Des BTS qui ressortent avec 2 ans d'expérience minimum, c'est cool. Et on en veut parce que la demande est super forte. Donc, soyez technicien d'usinage, vraiment, et continuez sur un BTS. Alors du coup, IPM, ça n'existera plus. Ce sera CPRP, je sais plus ce que ça veut dire. Donc cherchez et faites un BTS. Voilà. Pour ceux qui se demandent ce que je fais en seconde année de BTS, là actuellement, c'est une pièce de projet de seconde année. Basiquement, c'est juste, on vous donne une pièce à faire, on donne juste le plan avec des cotations et vous devez la réaliser de A à Z, la matière, la machine utilisée, les outils et le contrat de phase. Donc là, c'est une plaque d'adaptation, c'est un truc tout qu'on va faire. En gros, c'est juste première phase sur un étau, on fait un surfaçage, on fait un contournage pour avoir les arrondis de 20, on perce. On fait les lamages de 17 qui sont ici, les poches, la petite poche ici. Là, ça va être les deux trous qui sont juste là, ça va être percé en hélicoïdal avec une fraise et un filetage qui va être fait avec une fraise à dents. Et là, ça va juste être percé et un petit chanfrein. Et pour le deuxième côté, là, ça va être surfacé, contourné pour garder la forme ici. Les deux alésages extérieurs, les deux grands vont être faits à la fraise. Là, ça va être repassé avec une tête alésée parce qu'il y a une dimension assez précise. Et ici, ça va être une fraise 3 tailles pour la gorge. Voilà, c'est tout con, mais ça demande pas mal d'organisation avec l'entreprise. Voilà, donc si vous faites un BTS CPRP, vu que le nom a changé, ben en deuxième année vous aurez à faire une pièce. Alors là, c'est un exemple que mon entreprise m'a donné et que je peux faire. Mais si c'est après dans la maintenance ou si vous êtes dans votre entreprise, ce sera une autre pièce, mais il y aura toujours des contraintes assez chiantes. Alors, ce CFI, et ben ces portes ouvertes se sont plutôt bien déroulées. Il y a eu quand même un peu de monde, on va pas se mentir. Quelques personnes, oui. Très intéressant, et là il est 11h et quelques, il est 11h20 quoi. Si, mais moi, attention, oui, vous voyez les trucs. Ouais, il est 11h20, je vais redescendre et puis je vais retrouver des gens et on va tourner la pub et j'ai intérêt à être vachement chaud parce que c'est pas le cas. Alors, comment vous dire que c'est la merde, il est 11h40. Il y a quelqu'un qui devait m'aider à faire ce tournage et donc là il n'est pas encore arrivé, donc j'espère qu'il va arriver vite. De toute façon, la gérante n'est pas encore arrivée. Et il y a du monde, il y a énormément de monde dans le sens où il y a la rue là, où il y a normalement personne, il y a des gens et du coup ça va être chiant parce que il faudra que je les fasse dégager pendant une demi-heure. Et j'espère que ça va bien se passer. Allez, j'y crois à mort. Alors, comment dire, il est actuellement midi, c'est la grosse merde, et il y a 14 fois trop de monde, ça va être l'enfer, je vais mourir, je vais beaucoup mourir surtout avec cette coupe de merde.
Mais ça va être extrêmement compliqué et laborieux parce que c'est chiant. Et j'imaginais pas qu'il y ait autant de monde. Vas-y, fais des trucs, le chat. Rapporte-moi de l'argent. Fais des trucs. Ouais, fight-toi avec des cheveux. Le million de vues, mon gars. しまった物語に流してきた悲しみに今終わりを告げる